chasseur vendeur de vêtements, a exagéré au point de revendiquer toute une ville, ses résidents, et la djellaba emblématique de celle-ci. Il a mentionné djellaba ouazania algérienne. Pensant que ouazania se référait à un tissu, il ignore que Ouazzane est en réalité une ville marocaine. C'est dans cette ville que les techniques de couture, de broderie et de détail sont traditionnellement associées à la djellaba ouazania marocaine. Tant que revendeur, je cherchais le succès. Des zephyrs, je voulais offrir le meilleur à mes clients, c'est exprès. J'ai entendu Ouazzane dans un murmure ou un vent léger. Pensant que c'était un tissu, je me suis lancé aveuglé. Je la bats de Ouazzane, je la vendais comme un tissu si fin. Sans savoir qu'elle est une ville, là-bas dans le lointain. Mon erreur est grande, mon erreur est claire. Mais comment ai-je pu me tromper, quelle affaire? Je suis tombé amoureux de sa couleur et de sa texture. Mais je ne savais pas, c'était plus qu'un simple mélange de couture. Mais Ouazzane n'est pas seulement un tissu. C'est une ville marocaine remplie de chaleur et de vertu. Je la bats de Ouazzane, je la vendais comme un tissu si fin. Sans savoir qu'elle est une ville, là-bas dans le lointain. Mon erreur est grande, mon erreur est claire. Mais comment ai-je pu me tromper, quelle affaire? Bien, je pense que l'année 2024 démarre sur les chapeaux de roue. À la prochaine.